Oui, regardez tout le staff va être là pour l'accueillir Quentin Fillon-Maillet. Il va passer cette ligne en première position. Et Johannes Beu doit renoncer à son rêve de grand chelem. Le sourire qui se dessine sur le visage de Quentin Fillon-Maillet qui va même pouvoir s'offrir ce petit check avec ses camarades, avec Vincent Vitol. Les Bleus sont champions du monde. Dites-leur que c'est impossible et ils le feront. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Antonin Guigonna, Fabien Claude, Emilia Zakla et Quentin Fillon-Maillet sur le toit du monde. Champion du monde. Oh, et regardez quelle image, quelle sublime image de Johannes qui s'incline devant l'équipe de France et les Bleus qui applaudissent l'immense champion norvégien qui va être rejoint là dans cette aire d'arrivée par Sturla Lægreth, Vetle Christiansen et son grand frère Tarjei Bø. Les Norvégiens sont toujours là sur le podium, mais aujourd'hui, les Français sont meilleurs.